Depuis les années 1950, le Centre pour l'agronomie et l'agro-industrie de la province de Hainaut, le CARA, met ses laboratoires à la disposition des agriculteurs ennuyés. On aide les agriculteurs à produire mieux. Alors produire mieux, ça veut dire produire et respecter l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et on propose toute une série d'analyses, que ce soit des analyses de sol, des analyses d'amendement, pour justement optimiser les intrants et limiter l'impact environnemental de la production agricole. Le service pédologique, donc ça concerne les analyses de terre. On téléphone, ils viennent prélever les échantillons des parcelles qu'on demande d'analyser. Ensuite, on reçoit les résultats et en fonction de ça, on apporte les amendements ou les engrais nécessaires à la plante qu'on doit mettre. À côté des analyses de sol, on effectue effectivement d'autres types d'analyses, des analyses d'eau, d'abreuvement ou de nettoyage dans le cas de la production laitière. Ici, on analyse tout ce qui est denrées alimentaires et ainsi que tout ce qui est analyse d'eau, donc les eaux potables, les eaux de process, des eaux de puits, etc. Tout l'intérêt d'analyser une eau de puits, c'est de montrer qu'elle est conforme pour une utilité chez le producteur, chez le fermier, c'est-à-dire pouvoir donner cette eau en abreuvement et l'utiliser dans le cas du nettoyage du matériel de laiterie, par exemple. Et ça peut avoir une implication grave ? C'est-à-dire que les bêtes sont résistantes à une certaine contamination des eaux, mais jusqu'à une certaine limite. Et le comité du lait a émis des limites, des critères qu'il ne faut pas dépasser. C'est une aide, justement, pour nous permettre de réduire les coûts, d'être au plus juste en fonction de la récolte, du coût de revient pour le bénéfice. Les agriculteurs sont tenus effectivement de faire appel à un laboratoire agréé par l'AFSCA et les laboratoires du CARA sont effectivement agréés pour la réalisation de l'ensemble des analyses. La législation évolue avec des contraintes au niveau des productions. On a parlé récemment des tartories et ce genre de choses. Donc il y a de plus en plus de contrôles qui sont réalisés. Et le laboratoire n'a pas un rôle de contrôleur, mais plutôt d'aide pour les agriculteurs à respecter la législation. Pour les analyses de sol, par exemple, on a estimé que plus d'un tiers des agriculteurs, chaque année, font appel à nos services. Nouvelle formation au métier d'ingénieur en automation. Cet expert qui se trouve au point de rencontre entre l'informatique, l'électronique, l'automatique et la mécanique dispose désormais d'une possibilité de master sur le site de la Haute École Provinciale Condorcet à Tournai. On en a beaucoup parlé, eh bien, ils se mettent en place les cours de citoyenneté, ce que l'on appelle encore trop souvent les cours de rien. Trois écoles provinciales de promotion sociale proposent des formations pour les professeurs à Charleroi, Mons et en Wallonie-Picarde tout l'été. Plus d'infos sur notre site.